on a un choc à base de tas de paroles. On va vous laisser aussi, on va y attendre si qu'on dit. Et dans l'idée si aussi, et va y attendre si qu'on dit. Et dans l'idée si aussi, et va y attendre si qu'on dit. Libéré, vous connaissez, vous le dites, on y va. Avant, le dictateur, on y va. Avant, le dictateur, on y va. حمله نیروهای سرکوبگر به زندان زنان در شهر ری روز یکشنبه هفته اردیبهشت ماه 5 تن از شکنجهگران و عوامل نیروهای سرکوبگر رژیم با باتون شوکر برقی و کمربند به بند یک زندان زنان در شهر ری در نزدیکی تهران حمله کردند و زنان بیدفاع این بند را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. در این بند که مساحت آن حدود 190 متر مربع است 240 زن زندانی هستند. ریحانه جباری زن جوانی که به خاطر دفاع از خود در مقابل تعرض یک عامل اطلاعاتی رژیم به اعدام محکوم شده در این بند زندانی است. مزدوران هواخوری بند را بستند و تلفن‌ها را نیز قطع کردند. اسخر کلیوند افسر نگهبان زندان که یک سردشخیم جنایتکار است شخصا با شقاوت تمام زنان بیدفاع را با کمربند مضروب می‌کرد. دو مزدور دیگر به نامهای محمد محمدزاده و تاتار با شوکر برقی و باتون و کمربند به زنان حمله ور شدند. افسر نگهبان بند زنان مزدوری به نام سیما پوروند است که شخصا زندانیان بیدفاع را مورد ضرب و شتم قرار میداد. مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشری و حقوق زنان را به محکومیت این اقدام ضد انسانی فرا میخواند و تأکید می کند سکوت ننگین دولت‌های غربی در مورد حمله هولناک 28 فروردین به زندانیان سیاسی رژیم ملایان را برای حمله به دیگر زندان‌ها و زندانیان جریتر کرده است. تو اگه ازم بپرسی چیه حرف تازه تو چی میشه وقتی که رفتی اسم کار آوازه تو از تنین سرخ این اسم حس تازه میگیرم تو فراز این ترانه سر بلند ساده میگم بازم اشرفی میمونم حکومت اخوندی سرنگون سرنگون تو خشم سرخ کارگر از
هنگره نگاه کن تو چشمای پر از یقین شیدری مرگ تو ببین تو این صدای پرتنین شیدری مرگ تو ببین تو چشمای پر از یقین شیدری مرگ تو ببین تو این صدای پرتنین شیدری مرگ سرد زندون نه سقف بی ستاره نه گارد ویژه بند که فکر حمله داره نه حجم دیوارایی که سنگی و بلندن نه تختای شکنجه که منو روش میبندن نه تو انفرادی در حال اعتصابم وقتی با پشت زخمی کنج دیوار میخوابم حتی با دست بسته دلم پر از یقینه یه خلقی تو کمینه شکستن ادینه نه Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues et vous tous qui êtes là pour soutenir la défense d'un Iran démocratique, libre et laïque. Je voudrais dire que je vous ferai une proposition ce soir. On parle du camp de liberté. Mais quelle imposture, Madame la Présidente, que de baptiser ce camp de liberté par ces atrocités les plus fortes et les plus terribles qu'ait connues l'histoire mondiale et l'histoire humaine. Donc je crois, Madame la Présidente, qu'on pourrait prendre l'initiative ce soir de débaptiser ce camp, car accoler le nom de liberté à un tel camp, je considère que c'est une imposture et que c'est une honte pour les droits de l'homme et pour tous ceux qui sont attachés. De la même façon que je crois que certains pouvaient encore nous dire hier, on ne savait pas, mais aujourd'hui tout le monde sait, et parce que nous savons, nous n'avons pas le droit de nous taire, sinon nous devenons complices. Nous sommes complices quand nous nous taisons. Et je voudrais dire simplement, je l'avais dit, Madame la Présidente, lors de notre précédente rencontre, mais je crois qu'il est nécessaire de le répéter. Certains nous disent, oui, il y a des progrès, le mollah Rouhani est un modéré, maintenant nous n'avons plus affaire à une dictature en Iran, c'est une dictature modérée.
Mais enfin, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'il existe des dictatures modérées? Est-ce qu'il existe des dictateurs modérés? Non. Quand on prive un peuple de ses droits... Quand on prive un peuple des droits essentiels, de celui de la liberté de penser, de la liberté d'être libre, de la dignité en un seul mot, je crois qu'il ne peut pas parler de dictature modérée, simplement il y a une dictature, et à ce titre-là, la dictature iranienne doit être condamnée comme toutes les autres dictatures de par le monde. Je sais bien que certains nous disent, mais il faut essayer de nouer des liens, des relations, parce que tous les liens, toutes les relations entre les peuples peuvent permettre une évolution. Peut-être. Mais je crois que lorsqu'on manque de fermeté vis-à-vis des dictateurs, on sait où cela nous mène. Lorsqu'on a manqué de fermeté avec les régimes nazis, on sait où cela nous a menés. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de transiger. On ne transige pas avec l'honneur, on ne transige pas avec la démocratie, on le fait encore moins quand on est le pays des droits de l'homme, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont animé la Révolution française et qui se sont propagées à travers le monde. Et aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, on se bat et on meurt pour défendre sa liberté en chantant la Marseillaise. Eh bien, si ça nous donne des droits, ça nous donne aussi des devoirs à nous Français et en particulier aux parlementaires français. Alors je sais bien que l'on va dire, mais il faut nouer des relations diplomatiques. Et puis bien entendu, pourquoi ne pas lier des relations économiques? Mais certainement qu'on peut discuter, mais je pense que on ne peut pas sacrifier nos valeurs, on ne peut pas sacrifier nos principes de celles qui sont essentielles, qui font ce qu'est la France et ce que nous sommes, nous les Français, sur l'autel de profits financiers, même si nous sommes dans une situation de crise financière qui fait que la France, effectivement, a besoin de trouver des marchés à l'étranger. Mais je crois qu'on perdrait notre âme, et je crois qu'on ne peut pas perdre notre âme en allant se compromettre dans des marchés financiers en sacrifiant les valeurs de la République et les valeurs de la France. Je voudrais ne pas être plus long, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais vous dire, Madame la Présidente, que nous admirons votre courage, et que dans cette salle, Victor Hugo, ça a été dit, Victor Hugo était un grand écrivain. Il a, dans ses écrits, combattu pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour soutenir les plus faibles. Il a été aussi un grand parlementaire, et Madame, il a connu, comme vous, l'exil. Comme vous, il a été contraint à l'exil, et je crois que c'est tout à fait symbolique qu'on soit aujourd'hui dans cette salle Victor Hugo à vos côtés. Et quand nous parlons des combattants de la liberté que vous êtes pour l'Iran, je crois que nous devons employer un terme. Il ne faut pas parler de dissidents. Vous n'êtes pas des dissidents. Vous êtes des résistants. Et parce que vous êtes des résistants, nous serons à vos côtés pour défendre la liberté et les droits de l'homme. Que parce que nous sommes, et je suis très fier aujourd'hui de voir qu'à cette tribune, dans cette salle, il y a beaucoup de parlementaires et d'anciens parlementaires de la région d'Auvergne. L'Auvergne qui a été pendant la guerre 39-45 un territoire de résistance, un des hommes qui se sont illustrés dans le combat pour la liberté de la patrie et pour la liberté de la et pour le retour de la République, eh bien, Madame, sachez qu'en Auvergne, on a un proverbe, on a une pensée toujours très forte pour la liberté, on l'exprime à travers cette phrase, je vais d'abord vous la dire en auvergnat, et pour ceux qui ne comprendront pas, je leur la traduirai en français. En Auvergne, nous disons « Seine d'Arverne en l'astin pas »,
On est d'auberge et on ne lâche pas. Madame, vous avez dit la même chose. C'est pour ça qu'on est ensemble, pour ce même combat qui nous anime, celui de la liberté.